L'intelligence des animaux. Selon les critères humains, les animaux les plus intelligents sont dans l'ordre. 1. Le chimpanzé. Il sait utiliser des outils, par exemple un bâton pour chercher des insectes dans l'écorce d'un arbre. Il peut même créer des outils, communiquer par le langage des signes. Il sait associer des dessins à des personnes ou à des objets. Il sait s'organiser en groupe pour former une sorte de tribu. Le chimpanzé bonobo a recours à la sexualité pour apaiser les tensions diplomatiques. 2. Le dauphin. Il a une vie sociale. Il peut mettre au point une stratégie avec d'autres dauphins pour encercler un banc de poissons de la manière la plus efficace. Il aime jouer. Il utilise un langage très complexe dans lequel il peut nommer chaque individu spécifiquement, selon qu'il estime que l'autre est supérieur ou inférieur à lui. Il peut comprendre des notions comme toucher, intérieur, extérieur, gauche, droite. Il peut inventer ses propres jeux et apprendre aux humains à y jouer. 3. Le porc. Il sociabilise facilement. Il sait ce qu'est un miroir et a une conscience de lui-même en tant qu'individu. Il apprend vite, corrige ses erreurs. Il sait inventer et se détendre par des jeux. Il peut s'organiser en groupe. Il aime et protège sa famille, éduque ses petits. Il peut saisir avec son groin une branche pour s'en servir comme d'un outil, pour exercer par exemple un effet de levier. 4. L'éléphant. C'est un animal sociable, intégré dans une société hiérarchisée autour d'une femelle âgée dominante. L'éléphant est altruiste, il peut aider les plus faibles. Il sait aussi se reconnaître dans un miroir et utiliser une branche comme outil. Un rituel complexe est mis en place par le groupe lorsque l'un de ses membres meurt. 5. Le corbeau. Jeune, il vit en bande, constitué de congénères du même âge. Chacun y occupe une place déterminée. Arrivé à l'âge adulte, le corbeau s'installe en couple et construit une famille. Il sait compter jusqu'à 8. Il peut accéder à de la nourriture hors d'atteinte en résolvant toute une série de petites épreuves. Il se reconnaît dans un miroir. Il peut prendre une pierre dans son bec pour briser un œuf. 6. Le poulpe. C'est un animal courageux, curieux. De tout, il apprend vite, trouve des solutions pour résoudre ses problèmes, met au point des stratégies de chasse. Il sait utiliser des outils et va même jusqu'à manipuler des noix de coco pour se construire des casques protecteurs. Dans un labyrinthe, il est l'animal le plus rapide pour trouver la sortie. 7. Le rat. Il bénéficie d'une mémoire exceptionnelle lui permettant de retenir les meilleurs chemins et les moyens de franchir des passages dangereux. Il sait vivre en groupe, parfois très large, et intègre une hiérarchie où il respecte ses supérieurs et domine ses subalternes. Le groupe possède des rituels de mise en quarantaine lorsque l'un de ses membres a absorbé des aliments inconnus afin d'éviter la contamination. Il sait tirer des leçons de ses réussites et de ses échecs passés. 8. Le chat. Il a une grande capacité d'apprentissage. Il sait vivre seul ou en groupe. Il est curieux de tout ce qui est nouveau. Il est joueur. Il a une activité onirique très riche, qui a inspiré les chercheurs pour comprendre les mécanismes du rêve. C'est un animal qui sait s'adapter à toutes les situations nouvelles. 9. Le chien. Il a une intelligence émotionnelle qui lui permet de percevoir parfaitement ce que ressentent ses maîtres. Il est fidèle et a su tisser une relation privilégiée avec les humains. Il est capable de manifester son amour pour son humain de référence de multiples manières. 10. Les fourmis. Même si elles n'ont pas une intelligence de type humain, elles sont au sommet de la sociabilité puisqu'elles sont capables de construire des cités de plus de 500 millions d'individus qui fonctionnent en parfaite harmonie. Par exemple, les fourmis rousses des bois qu'on trouve dans les forêts européennes. Elles connaissent l'agriculture, elles font pousser des cultures de champignons dans leur sous-sol. La guerre, l'élevage de pucerons dont elles extraient le miel. L'architecture, elles construisent des cités pyramidales équipées de solariums et d'un système de ventilation efficace. Encyclopédie du savoir relatif et absolu, volume 12.